S'il vous plaît. Hey, salut les amis, c'est Crazyman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dans la peau. Dans la peau de quelqu'un qu'on a déjà été. Donc ça va aller vite puisqu'il n'y a pas grand choix. Mais enfin, voilà, donc on se retrouve à un endroit que vous connaissez certainement, puisque ben du coup on est déjà venu, on est déjà passé ici. Vous avez peut-être besoin que je vous rafraîchisse la mémoire, hein. Regardez. Donc vous pouvez voir qu'on a plusieurs puces semblables aux miens qui sont garées à cette station. C'est petit client par ici. Donc faut aussi que c'est moi qui aménage un peu tout ça. Ouais, voilà. Donc ici pareil, on a des bus en stationnement, des collègues certainement pour certaines qui reposent. Ah, on a aussi des petits techniciens qui travaillent sur la maintenance de bus. Bon, certes, on fait ça en public. Ah, je peux peut-être, ok, bien. Donc on fait ça, certes, en public, voilà quoi. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, comme à nouveau, nous sommes dans la peau d'un conducteur de bus, sauf que on a changé bien sûr de mécanique. Et oui, nous avons un nouveau bus pour patrouiller et nous allons également patrouiller sur une nouvelle ligne. Donc que je vais vous présenter sans plus tarder. Donc voici le bus, donc c'est un Mercedes. Des Mercedes. bien sûr. C'est un Mercedes Citaro. Désolé pour le petit accent allemand bien pourri, enfin la petite imitation de merde. Ok, merci de ne pas me vanner dans les commentaires. Merci. Donc voici un Mercedes Citaro qui est à l'effigie de la ville de Los Santos, puisqu'on reconnaît, enfin downtown, c'est le centre-ville. Et nous avons ici le titre d'indication Los Santos Day Rider. En gros, c'est un bus qui permet de faire le tour de Los Santos, mais qui aujourd'hui va nous permettre d'effectuer une ligne bien spéciale. Donc sans plus tarder, je vais prendre place à bord de ce magnifique bus. Voilà, donc comme vous pouvez reconnaître la petite interface du mode de bus que j'avais utilisé précédemment, qui s'appelle le Rage. Attends, dis pas de la merde. Ok, écoutez, le nom sera affiché puisque là j'ai un gros doute et je veux pas dire des conneries, donc ça sera écrit juste maintenant à l'écran. Bam, bam, voilà. Donc sans plus tarder, je vais commencer mon service en choisissant mon aller, enfin je veux dire ma route que je vais fréquenter pour ce trajet. Et puis on va déjà se diriger en direction de mes passagers qui m'attendent déjà au premier arrêt. Donc également je vais vous donner un petit aperçu. Pourquoi je suis descendu du bus? Ok. Un petit aperçu du trajet. Donc en fait on va aller ici pour redescendre au niveau du dépôt. Donc c'est une ligne qui est assez rapide, mais qui permet de découvrir un nouveau bus et de nouveaux endroits qu'on n'avait pas encore vu la dernière fois dans cette vidéo, dans ce même genre de vidéo. Bref, je vais pas trop m'écarter du sujet parce que je vais m'embrouiller. Donc bien sûr, on va essayer de faire ça le plus RP possible, les amis, en utilisant les clignotants, etc. Hein, tous les bails. Étant donné que c'est une petite ligne, je vais certainement respecter la signalisation à la lettre. Donc c'est-à-dire feu rouge est égal feu rouge, les amis. Il n'y aura pas de... je me permets. Hein, puisque ça occasionne souvent pas mal d'accidents, hein, j'ai remarqué. Et dans mes vidéos, ça arrive très souvent. Ah. On va rencontrer la police sous le tunnel, là. Et non. Donc si je me suis permis de repartir sur un métier qu'on avait déjà découvert dans la série Dans la peau, c'est parce que vous étiez beaucoup à avoir trouvé le métier de chauffeur de bus assez intéressant et vous m'aviez demandé... Oh, je me trompe déjà d'itinéraire. Ça va, je peux rattraper. Et vous m'aviez demandé d'en refaire et si possible avec de nouveaux véhicules. Vous m'aviez demandé des véhicules spécifiques mais que, hélas, je n'ai pas forcément trouvé et n'étant pas forcément non plus modeur, je ne pouvais pas me permettre de le créer. Mais ce sont des bus qui sont plutôt fidèles à ce qu'on peut voir dans la réalité et qu'on a aussi en France. Hein. On va se mettre un petit peu en première personne. Ah, malheureusement, j'ai pas d'aperçu des clignotants vu première personne. Mais vous pourrez voir sur ma petite interface en bas à droite que je l'ai bien mis mon clignotant. Hein. Si jamais on voudrait chipoter, on va dire que le bus qu'on m'a refilé est un peu pourri. Celui-là, hein. Juste celui-là. Parce que l'extérieur est juste magnifique. Enfin, pas mal. Pour, voilà. Donc, ouais. Donc, la vue première personne est assez simpliste. On n'a pas vraiment un beau tableau de bord ou quoi, je ne sais, machin. Mais bon, on va faire avec. Et puis,
Voilà, en même temps c'est une petite ligne, du coup on n'a pas forcément déboursé les gros moyens et les gros bus. Mais qui sait, si vraiment encore cet épisode vous plaît et vous souhaitez encore que j'utilise un autre bus, pourquoi pas un troisième épisode en tant que chauffeur de bus, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc depuis mon retour d'il y a quelques semaines, j'ai pu vous faire des... Ouh putain, j'ai pas envie de clignoter autant. Ouh. Depuis mon retour les amis, vous avez pu découvrir déjà quelques vidéos, si je ne m'abuse 3 avant celle-ci. J'espère que mon retour vous plaît. J'ai pas encore eu plus que ça de retour à part quelques... Enfin, quelques-uns d'entre vous via les commentaires. Mais n'hésitez pas à réagir avec moi sur Twitter les amis. Je suis également présent là-bas. Et on peut discuter. À partir de cette vidéo, je vais vous mettre aussi également dans la vidéo un lien pour un Discord auquel vous pourrez que vous pourrez rejoindre bien sûr. C'est un Discord communautaire. Enfin, on est en train de mettre en place avec un ami, en train d'aménager aussi le Discord afin que vous puissiez nous rejoindre, qu'on puisse parler, jouer ensemble. Et je pense qu'on pourra dans les vidéos précédentes mettre ça en œuvre avec certains d'entre vous pour jouer à certains jeux. De votre choix ou je ne sais pas auquel vous tenez ou que moi j'apprécie et que je joue pas mal en ce moment. Hashtag Fortnite par exemple, enfin des trucs du genre. On verra bien. Et faire une des vidéos ensemble, juste jouer ensemble, ce qui pourrait être vraiment pas mal les amis. Donc oui, je vous mettrai certaines infos à l'écran de la vidéo, mais aussi dans les commentaires de la vidéo, comme ça vous pourrez vraiment me rejoindre, nous rejoindre, et on pourra jouer ensemble. C'est magnifique les amis, mais n'hésitez, enfin, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai prochainement davantage, peut-être en présence de mon ami, comme ça, ce sera vraiment plus simple. J'aurais dû me mettre sur la file d'à côté, moi. Allez, avance. Ah. On va essayer de pas faire d'accident, tout ce qui s'ensuit. Olé, olé. Je dis ça et je fais le con juste après quoi. On va se taper un service de nuit ou quoi les amis, parce que là j'ai l'impression que le soleil est en train de tomber. Enfin ce serait pas plus mal, hein, ça permettrait de... Il va un peu vite lui, hein. De découvrir la beauté de GTA, même la nuit. Si je pouvais pas mettre 3 ans pour accéder au premier lieu de prise en service tout court, hein, puisque on va dire que j'ai pas plus que ça pris mon service, j'ai pas encore pu prendre de passagers. En même temps avec les feux rouges. Merde, pourquoi je fais que ça moi? Je suis un de ces automobilistes. Hein. Ne faites pas comme moi. Donc j'espère que le trafic va nous permettre d'accéder assez rapidement à mon lieu de prise de service. On a la police juste devant. Au moins le trafic sera peut-être un peu plus régulé parce que là... Allez! Non, allez, allez, allez! Prenne pas! Je veux me taper un feu rouge encore. Donc voilà, voilà, c'était... Ah oui, j'avais peut-être encore d'autres annonces. Je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être un peu brouillon, mais... ouais, je lance un peu des petites idées comme ça qui... tous les côtés. On n'a pas vu que c'était feu rouge, hein, c'était feu orange, je me suis permis. Parce que le but, c'est pas non plus que j'arrive à la nuit tombée. Les pauvres petits passagers sont en train de m'attendre à l'arrêt de bus. Enfin, je pense qu'il y en a, hein, puisque c'est un bus de ville. J'espère que ça vous dérange pas trop, on va quand même jouer pas mal vu FPS. Pour que ça soit un petit peu plus immersif, même si je vous mettrai quand même un peu de gameplay à troisième personne. Afin qu'on puisse admirer ensemble la beauté de ce bus. Olé. On va pas aller trop vite, pas casser notre bus. Les collègues. Je crois que je l'ai suivi, mais il a grillé un feu. Donc je crois que j'ai fait pire que lui. Enfin j'ai fait la même chose que lui quoi. C'est pas bien.
Niveau essence, c'est pas mal, de toute façon, enfin, on fait pas de l'essence ici, hein, puisqu'on a un gros engin, hein. N'y voyez rien de détourné à ce que je viens de dire. Mais enfin, on peut pas faire d'essence dans ce genre de station, c'est vraiment pour les petits véhicules, enfin, pour les véhicules civils, hein, les petits véhicules comme ça, quoi. Les petites voitures. On va mettre un petit peu de temps à... Si je trouve que ça fait un peu trop long, hein, et puis je verrai pour vous accélérer un petit peu tout ça, ne vous inquiétez pas, qu'on puisse quand même aller au cœur du sujet et enfin prendre mes passagers. Par contre, ouais, on va vraiment se taper un petit service de nuit. Et ben, vous savez quoi, les amis? Ce sera ligne de nuit. Petite prise de service pour la nuit. Puisqu'il existe dans certaines villes, hein, des bus qui circulent. Assez tard, on va dire que ce sera le cas de notre bus. Oh, au calme, au calme, qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord. Bon, ben. Mais c'est qu'il est très long ce feu rouge, hein. Ah, bah quand même. Heureusement qu'il pleut pas, hein. Je pense que, mais. On est un petit peu en retard sur le cursus. Suivi par une magnifique Clio 3. Hop, on clignote. Moi je tourne où là? Ah, ok, j'ai un... Je peux tourner là-bas? Ah ouais, mais pour tourner avec un bus ici. Magnifique. Bon, c'est pas très pratique leur truc, hein, leur itinéraire. On s'en passera. Hein. N'est pas abîmé. Hop, on reclignote, mais de l'autre côté cette fois-ci. Oh là là, pour passer ici, j'ai peur. Et les ennuis commencent. Alors, vu le petit bruit aussi, je suis en train de rayer mon bus. Oui, oh my god, c'est bon, hein. Je produis pas une petite citadine, hein. J'ai un bus de... Je sais pas combien de mètres de long. Allez, hop, on défonce tous les panneaux. On va passer au petit poste de contrôle. Bonjour, hein. Eh, salut Michel. Pourquoi j'appelle tout le monde Michel? Je viens chercher les petits gens en haut, hein. Je monte, hein. Allez, salut. Oh ouais, non, mais c'est une blague. Je l'ai pas écrasé, je vous jure. Je vous jure. Allez, on va accélérer un petit peu dans la montée. Avant que ce con nous détruise le bus. Oh, des petits élans, des petits cerfs, c'est magnifique. On est en cohésion avec la nature. Bon, ça fait un peu con d'être recherché par la police. Oh là là. Non. S'il vous plaît. Oh, je sens que ça va très mal se passer. Bonjour, hein. Arrêtez, j'ai rien fait. Je vous jure. Je vous jure, j'ai rien fait. Ok, bon, je vais payer mon amende. Oh non, il veut pas que je paye mon amende. On arrive au lieu de... de prise des passagers. Parce que mon bus est pas trop endommagé. Ça a l'air d'aller. Oh mon dieu, c'était... Je m'y attendais pas. Tout ça à cause de... L'autre con d'en bas là qui a cru qu'on avait forcé le passage. Enfin voilà. On s'en est sorti quand même.
Donc on va prendre notre premier passager. On va poursuivre. Donc ouais, bah, ça sera bien une virée de nuit, hein. Un petit service de nuit. J'espère que ça va se passer pour redescendre. J'ai pas envie d'avoir les mêmes soucis qu'à l'arrivée. Donc les amis, comme je vous avais parlé aussi, depuis peu, j'ai la fibre enfin qui est installée chez moi. Donc qui dit fibre dit... Oh là là, le petit lapin. Qui dit fibre dit live potentiel. Et j'aurais aimé mettre ça en place, faire des tests, essayer des petits streams, voir si si ça vous plaît, si vous aimez. Enfin, je pense que ça peut être pas mal, hein, qu'on puisse échanger ensemble, parler, rigoler, jouer, etc. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Faudrait qu'on teste ça. Du coup, attendez-vous à voir peut-être, soit j'annoncerai au préalable, pas mal de temps à l'avance, ou ça se peut que ça soit soudain comme ça, et bam, live. Non, mais j'essaierai de faire ça bien. J'ai déjà préparé quelques trucs de mon côté, en espérant que ça vous plaira, et on va essayer de mettre ça en place. Avec le système de communauté, les lives. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont ça? Ils sont en sens inverse! Mais bordel! Personne veut me faciliter ma patrouille. Enfin, ma patrouille. Mon service, quoi. Je suis déjà à cran, je viens de commencer mon... Ouais, je me doutais que ça aurait pas été de tout repos. Vous voyez, même en chauffeur de bus, on arrive à m'embêter, quoi. Donc je disais, ouais, faire des lives, interagir, jouer avec vous, ça peut vraiment être pas mal. On pourrait décider des jeux, hein, ensemble, voir sur quoi on peut jouer. Je sais que vous attendez certainement à du GTA, mais il y aura certainement aussi du GTA. Mais aussi pas mal de jeux en multijoueur, sur lesquels on pourrait bien s'amuser tous ensemble. Donc que ce soit pour l'histoire du Discord, de la communauté... dites-moi si le principe vous plaît, de toute façon ça sera quand même mis en place. Et on verra avec les gens qui voudront bien y participer et venir sur le Discord, on verra comment ça se passe, si ça se passe plutôt bien, si on peut faire... on peut le dire de jouer ensemble à certains jeux, tout ça. Et aussi le commencement, le commencement, oui j'adore ce mot, des lives où on pourra jouer ensemble et puis partager tout ça en ligne, quoi. Donc voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Et je pense qu'on peut faire des choses vraiment pas mal. Donc je suis assez enthousiaste et un peu surexcité à l'idée de faire ça, enfin de mettre ça en place. Depuis ma reprise, depuis que j'ai repris les vidéos, je me sens à l'aise, quoi. À l'aise avec tout ça. On a repris un peu le rythme des vidéos. Bonjour monsieur. Ouh, t'es un peu passé à travers toi. On va rien dire. On va refermer les portes. On va y aller. Le mec il m'a traversé dessus, il m'a marché dessus, quoi. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Donc en fait je pense que la ligne sera juste adéquate vu au temps qu'on aura mis pour accéder au premier arrêt. Enfin voilà. Donc ouais, on fait ça bien, on respecte bien la signalisation, les feux rouges, etc. etc. Hey. Ouais, t'as bien fait d'accélérer sur le moment, parce que moi je t'aurais pas laissé de chance. Hein. Je suis déjà en retard sur mon planning là. J'ai un itinéraire à boucler. Ah, je vais faire gaffe aussi de pas trop pousser mon bus dans les tours, même si il suffit que d'appuyer un petit peu et le bus part. Parce que vous m'aviez dit faire attention un peu sur le régime et tout, de pas trop pousser le moteur, quoi. Enfin, je sais que j'avais eu des remarques comme ça. Donc on va essayer de vous écouter et de prendre toutes vos remarques en compte, les amis. En espérant que cette balade soit des plus RP possibles. Tranquille, toi. Excusez-moi, j'ai une petite toux. Et oui, c'est la saison pour être malade, hein, les amis.
pas au calme les... Ça sonne. J'avais jamais entendu les cabines sonner. Je savais même pas qu'elles sonnaient d'ailleurs. KPH, donc quoi, ouais, je suis en kilomètres. Je vais à 25 km au-delà quand je pousse un peu. Le bus il est en mode de, attention, le moteur va péter, les amis. Qui me parle là? Hein? Putain, mais j'entends tout dehors là. On n'a pas beaucoup de passagers, je trouve. Bon, après, on est de nuit, hein, donc bon, c'est tout à fait logique. Hein. Mais bon, dans des grandes villes comme Los Santos, c'est normal qu'il y ait aussi un service de transport de nuit. Mais ils sont bien agités, je trouve, les voitures cette nuit, hein, parce que ça part en trombe, ça coupe les lignes blanches. Attendez que je remette ma casquette de flic là. Moi, je dis que ça va chier. Hein. Et encore, je reste poli. La signalisation est vraiment lente. Hein. Les feux. Il y en a un qui fait un burn là. Non mais oh. En plus il a un SUV quoi. Il est en train de... Quand même. Hein. On doit être samedi soir. Les gens sont bien énervés. Ouais encore pour un samedi soir il y a pas grand monde dans la rue. On est reparti. Mon bus il est un petit peu amoché avec toutes les péripéties qui m'est déjà arrivé en très peu de temps. Hein. Et ouais, en très peu de temps. Mais c'est toujours comme ça, hein. Moi, une fois que je record, que je suis en vidéo, il se passe toujours des trucs genre anodins. Ouais, tant mieux, hein. Ça diversifie le gameplay. Bonjour, messieurs. On monte? Non? Oui, peut-être. Vous savez pas. Moi, je vais pas très traîner. Hein. Allez, on est reparti. Alors, prochain arrêt, Granger Street. Ouh. Alors en Amérique, dès que le feu à droite est vert, je peux tourner à droite. Bah après, si j'ai tout droit, il faut que j'attends que le feu de droite passe machin. Enfin voilà. Petit clignotant à droite, bien sûr. Et ouais, on fait ça bien, les amis. Hop là. Voilà. Ça va, pour l'instant, le trajet se passe en toute souplesse. On va se déporter après sur la voie de gauche. Et puis de toute façon on tourne à gauche un peu plus loin, un peu plus haut. Ouh, qu'est-ce que je fais moi? Je leur coupe un peu la voie en fait. Ah merde, il y avait une ligne d'effet en fait. Vilain crazy. Même quand je veux bien faire, bah, je fais mal. Vous voyez ça? C'est pas la poisse, le karma. Hop. À gauche toute. Je sais que vous aimez pas mal les vues en première personne, mais bon, j'aime bien aussi montrer un peu le bus et tout, surtout que mon tableau de bord est pas très élaboré, donc c'est mieux comme ça. Donc c'est pas mal aussi une petite ligne de nuit, hein. Ah, il me semble que j'avais aussi fait la nuit. Enfin, j'avais aussi un peu été de nuit sur moi. Oh, il y a du monde là. C'est pour moi tout le monde. Ouais, peut-être. Oh, ok, t'es sorti de l'autre côté toi. Genre, tu t'es improvisé une porte. Ok. Oh, ils ont tous spawn à l'intérieur comme ça, BM. Ils avaient pas le temps. Ah, on est déjà bientôt presque à la fin. Allez, non, il est vert, avance. Putain. Oh, bordel. Mais il fait quoi, lui? Genre, il s'est dit un petit marathon comme ça sur la route de nuit, même. Voilà, il y a le ravage de l'alcool, les amis. Faites gaffe. Hop. Toujours avec modération, l'alcool. Vous voyez ce que ça fait faire. Hein. Plein de conneries, oui. Votre hôte est très bien placé pour... connaître les ravages de l'alcool. Je m'étais sur le sujet. Oh mais on a décidé de me... Hein? Ce soir c'est pas mon jour. Hein. Oh là 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 là. Eh, vous avez rien vu. Hein. Ok.
Tout le monde descend? Non, reste avec moi. Bon, on est reparti, nous. C'est vraiment pas mal de nuit, hein. On a quand même des beaux petits effets de lumière et tout. C'est vraiment... Ah zut, feu rouge. C'est quand même tapé pas mal de feux rouges, hein. C'est ça le... le plus dur quand tu dois respecter la signalisation, c'est que tu dois attendre les petits feux rouges de 1. Mais bon, ça régule le trafic et tout, on va pas s'en plaindre. Non, je pense que là, pas mal. Mais arrêtez de burn, bordel! Surtout avec vos monospaces, là. Oh. On est reparti. Hop les... Bonsoir. Toi aussi tu veux me marcher dessus? Bonsoir. Allez-y madame. Faites-vous... Wouah. T'es pas net toi. Quand je vous dis que je prends des gens chelous dans mon bus. Hein. Enfin je vous l'ai pas dit mais je vous le dis. Hop les, on se déporte. Trop bizarre les gens ce soir. Enfin bref. Bon, ça aurait été assez tranquille à part sur les débuts. Enfin, ouais, sur les débuts où on a été un peu secoué, un peu agité. Tout ça pour quelque chose que j'avais pas fait. Rip. Désolé, hein. Désolé, je tousse. Désolé, ça m'arrive aussi d'être malade parfois. Bon, je roule pas trop vite, hein, pour ne pas trop pousser le bus. Ça nous permet de faire une petite balade et aussi de se taper tous les feux rouges. Tiens, super ça. Et je pense que sur tous les feux rouges qu'on aura eu, enfin sur tous les feux de signalisation qu'on aura passé, on se sera arrêté à quasi tous les feux. Et on a quand même du monde dans le bus. On a quand même pas mal de collègues qui roulent aussi cette nuit. Ah, je vois pas le feu. Ce serait ballot de le rater, surtout vu le temps qui dure. Allez, je veux rentrer. What? Ah ouais, j'allais dire. J'ai cru qu'il allait repasser au rouge. Bah, il est repassé au rouge. Oh, c'est des feux éclairs ici. Ah, on arrive au dernier arrêt en fait. Enfin, le dernier arrêt qu'on va desservir sera le terminus. Ladies and gentlemen, please stay seat on the chair. We're gonna arrive to the last bus stop. Le mec qui se prend pour un... pour un petit mec, petite hôtesse de l'air. Petit pilote d'avion là qui annonce à ses petits passagers qu'on va s'arrêter. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis à bord de votre siège. Los Santos bus va bientôt arriver à destination. On stoppe les conneries. On va se concentrer sur la fin du trajet. Ça serait quand même ballot de... On a un stop. On s'arrête. On regarde. Et on y va. Non, j'y vais. Ah ! Eh, la SNCF, on fait gaffe s'il vous plaît. Hein. J'ai que vous êtes en retard. En plus, c'est pour me massacrer mon bus. Voilà, en fait, on a fait le chemin inverse, hein, on revient de là où on est arrivé. Pour enfin rentrer au dépôt, déposer nos petits... Ah, on a quand même un volant Mercedes, hein. Nickel. J'ai juste de remarquer, hein, oui. Parfois, il y a des trucs qui ne me sautent pas tout de suite à l'œil. On s'arrête. Quoi, qu'est-ce qui se passe? On a roulé toute la nuit ou... Wow, ça a été vite, hein, parce qu'on dirait qu'il commence déjà à faire jour, à moins que... Non, ben, je sais pas. Je suis un peu désorienté, là. Et j'ai pas ma montre, hein, je pourrais pas vous dire l'heure. In-game, en jeu, je veux dire, in real life. Lol.
IRL. Hop, fais attention de pas foncer. On clignote bien sûr les amis. Dites-moi pas qu'il y a un bus qui est à ma place de stationnement, parce que ça va pas le faire là. Mais bah, je crois bien que si. Oh non, mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi ça? Ah non, pardon. Désolé, désolé. J'ai crié pour rien. Mon stationnement est juste ici, je crois. Wow. Moi, je veux bien me mettre. Wow, là, 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 là. Oui, ben, pour se garer. Je suis pas chauffeur de bus de base, hein, ok? Un peu d'indulgence. Et voilà, allez, on descend. Au revoir, à bientôt. Au revoir. C'est tout? Ah. Attention, mais... M'importe. Alors voilà, c'était la ligne B. Nous avons fait 7 arrêts, nous avons pris 19 passagers et nous avons récolté 1190 euros. On peut s'applaudir, les amis. Eh oui. Donc on va descendre du bus. Là, hop. On va refermer. BM. Voilà. Et voilà les amis, donc c'était un petit trajet en ma compagnie pour une ligne de nuit dans les rues de Los Santos. Donc pour récapituler un petit peu, je vous avais parlé d'un Discord, oui je vais en parler beaucoup. Je vous avais parlé d'un Discord qui est la LRLF, donc c'est une team communautaire, donc les rebelles de la forêt. Vous aurez les infos pourquoi plus tard, ça s'appelle comme ça. Mais inquiétez-vous pas, donc je vais vous mettre le lien, ça va s'afficher aussi là à l'écran le nom. Et vous aurez un lien dans la description pour nous rejoindre. Je suis pas mal... Enfin, je suis assez souvent sur le Discord. Donc, vous pourrez on pourra dire de se voir, de se parler de temps en temps. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, j'ai prévu certainement de faire un petit live sous peu. Enfin, le plus rapidement possible. Vous serez très vite au courant. C'est pour ça que n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous serez informé en temps réel de ce qui se passe et de quand... je serai en live et aussi pour les prochaines vidéos, vous serez informés. N'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche. Donc voilà. Et bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme vous souhaitiez revoir des bus, vous en avez revu. J'essaierai d'en refaire d'autres si ça vous plaît, si vous voulez en voir d'autres de bus aussi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt les amis, c'était Crazy Man. Tchou.